quand on vous dit que le vampirisme se manifeste sous plusieurs formes, certains ne comprennent pas. Regardez vous-même comment certains hommes s'asseyent, font le Congo ça, sabotent leur soeur gratuitement et pour rien. Regardez la vidéo, je vous prends après. Quoi, la femme, la depuis deux jours, tout, je me rappelle que tout ce qu'elle a dit sur tous ces artistes-là, c'est la vérité. C'est la vérité. Donc, non, maintenant, je suis obligé d'être clair. Parce qu'à un moment donné, nous sommes les enfants de nos ancêtres. Seule la vérité nous affranchira. Ah bon, hein? Et l'autre qui a mené, c'est l'enfant de Mapi. C'est Papi, elle dit que c'est l'enfant de Papi. Elle dit souvent que c'est le père, l'enfant de qui? De Papi, c'est Papi. Elle dit que c'est un homme avec Pi là-dedans. Mais ta tête, c'est les pop-corn. Elle a fait la révélation aussi. Parce que là, maintenant, elle a maintenant une mentalité. Elle a tous ces signes qu'elle fait toujours quand elle commence ses lives là. Ouais. C'est le père, non? Je t'ai dit que tous les blogos qu'elle a cités là ont toujours un signe avant de commencer leur live. Est-ce que tu as les preuves de tout ce que tu es en train de raconter? La parole de Jésus, c'est souvent comment? Caca, deux arcs de cercle après descend en monte. Deux arcs de cercle et descend en monte, c'est un signe satanique. Deux arcs de cercle, tu descends, tu montes, c'est un signe satanique. Et chaque fois que la ballon de Suisse commence, là, elle commence par ça. Vous ne vous rendez même pas compte que votre bœuf de merde est déjà empoisonné. Lord Kamine a détaillé tout ça. Là. On dit que Lord Kamine dit qu'elle est la femme de papa Mi. Oui, papa Mi, voilà. Papa Mi, c'est ça. Lord Kamine a détaillé tout ça. Là. C'est quoi ça? Vraiment, ce pays vraiment nous déçoit. J'ai dit que, mince mon frère, eh. Parce que vraiment, ce n'est pas normal. Pour l'étoile chrétienne, moi, le jour là, j'étais enrhumé. Donc je ne peux pas savoir si je ne sentais rien. Oui, pas bien, non. Parce qu'à chaque fois qu'elle est à côté de moi, je sens une aura, non. Tu vois, le genre, je ne sais pas. Non, tu as envie de... On appelle ça la possession spirituelle. C'est même le genre que tu es à côté, même câble, comment tu sens qu'il y a un truc. C'est souillant. Bon, j'ai une question à Amer. Amer, j'ai une question avec Joël parce que vous êtes beaucoup dans les réseaux sociaux. La question que je veux poser, c'est qu'il n'y a pas de blogueurs ou d'influenceuses qui. Bon, par rapport au Cameroun, parce que moi, ça me fait peur, hein. Sérieux. Est-ce que les influenceurs que vous voyez, les blogueurs, ceux qui font les web-séries et tout sont simples? Non, on a tous rentré. Hein, papa? Juste un instant, pub. Et on se prend après. Si quelqu'un arrive à Yaoundé et qui est dans le besoin des appartements ou bien d'un appartement meublé, s'il est là pour un long ou court séjour, bien vouloir vous diriger du côté du Colbison. Dans cette cité, à 1,5 km du carrefour Colbison sur la route de Kola, c'est un endroit calme, paisible. Donc si un benguiste arrive, il ne veut même pas qu'un membre de sa famille soit au courant qu'il est quelque part. C'est un endroit trop caché et réservé. Pas de bruit. Calme. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus de modalités concernant le logement. Ok. Non, on a tous rentré. Gang. Alors, on a souffert. Ah, chégué. Non, on a tous rentré. Je peux te dire ça en privé, mais ici publiquement devant les gens quand même. Les gens vont dire que c'est Joël. Pour toi, pour Joël, moi, il connaît comment ça a begin. À l'époque, quand le TikTok sortait, on connaît Joël a commencé. À mes caméras, on a vu c'est oui, même dans le clash et tout. On sait un peu que bon, il a en bench. Joël est en bench. Joël au niveau, c'est parce que pour Joël, je ne peux pas dire ici en public. Okay. Mais quand tu vois Joël, quand tu vois la pensée de Joël, toi-même. Mais par rapport à la. Ils ont dit là-bas que c'est la folie. Pardon. Donc, quand tu vois la pensée de Joël, toi-même, ça ne te dit rien. Oh, c'est pitié incroyable. Joël, quand même. Non, c'est même avec moi, il est bizarre. Hein? Voilà. C'est parce que comme on est dans son live, on ne veut pas que nous sommes. Tu sais que Aïcha, on revient sur Aïcha. Aïcha, c'est passé comment? Je te dis que pour Aïcha Kamouaz, je remarque que quand elle commence un live, Aïcha ne place pas ses mots par hasard les deux premières minutes qu'elle commence le live. Remarque ça. On appelle ça l'hypnose. C'est appris dans la rose croix. Donc elle a soit les choses qu'elle pose avant de commencer. Elle reste tranquille. C'est là qu'on ne dépasse pas 25 minutes. Tu es toujours en train de faire le constat. Ta bouche qui parle trop. Remarquez ça. Donc à un moment donné, quand ça dépasse 25 minutes, c'est passé. Si on a d'abord fait ce qu'on appelle, ça a des nombres de codes que je ne peux pas. Mais la prochaine fois que, suivez, la prochaine fois qu'on va, quand il va encore sortir, parce qu'ils se sont donné les promesses de bastonnade. Donc la prochaine fois qu'ils vont se croiser en bastonnade, là, c'est la partie du film là, que nous on attend depuis. Joël, on ne peut qu'insister que Aïcha est dans le live. Dis-moi dit que les gens, les hommes fuient la fille là. Hey! Ça dit quoi? Il faut répéter, j'ai pas compris. Dis-moi dit que les gens, les hommes fuient la fille là. Va merde! Là, il a. J'étais toujours dit, si moi-même Aïcha Kamouaz m'a barré en tant que dragueur,
Si toi, moi, on me bat dans les réseaux sociaux. Le monde part en couille. Si. Catastrophe, Nebaloba. Je suis le seul un des seuls blogueurs qu'on ne bat pas dans les réseaux sociaux. Quoi? Je suis le seul un des seuls blogueurs qu'on ne bat pas dans les réseaux sociaux. Hey, laisse les gens. Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce qu'une fille compte pour moi me barrer. Mon frère. Bang, 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 bang. Mais c'est Aïcha m'a barré. Bon, mais allez, non, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Quand je vois le Congo, ça, ma chaîne ne tient plus. Et Dérine, parce que moi je drague avec les écorces. Parce que moi je drague avec les écorces. Hey! Donc si une fille comme ça me bat, non, c'est qu'elle me met là-dedans. C'est qu'il y a un truc. Parce qu'il y a les questions qu'elle m'a posées. Parce que moi, c'est les questions. Moi, je ne vais pas être sur les questions, hein. Il y a des petites questions qu'elle te pose. Tu es propriétaire? Est-ce que tu as ci? Est-ce que tu as ça? Il y a des questions bizarres qu'on te pose. Tu sens qu'il y a quelque chose. Non, qui ne va pas. Ouais, mon frère, je t'ai dit non. Si tu veux, Aïcha Kamara, tu t'es dit que non, il préfère qu'on reste amis. Essaye de draguer Aïcha Kamara, elle va te dire ça. Ah ouais? Elle va te dire ça. Tu peux me dire qu'elle est gardée, ok, elle n'a pas l'oncam, mon frère. Alors. Quelle humiliation. Ce sont des hommes, hein. Ce sont des hommes qui sont connectés, qui lancent les lives comme ça. Live de sabotage. Je me demande aussi si c'est le chômage, ou si c'est la sorcellerie, ou bien si c'est la malédiction. Les gars viennent faire leur coutume sur Facebook. On appelle vraiment le genre, c'est quoi les amis? Vraiment, dites-moi en commentaire comment on peut qualifier. Donnez-moi un titre à ce film. Moi, ça me dépasse. Le 237, non. C'est un continent. Eh bien, mesdames et messieurs, il y a de cela quelques jours, je vous parlais d'un grand docteur naturopathe. Voilà, au nom de docteur Gadema, qui vient d'ouvrir ses portes dans la ville de Yaoundé. Rappelons, à Douala, il exerce depuis plus de 10 ans. Donc, il vient d'ouvrir ses portes ici à Yaoundé. Et je vais vous présenter ce produit, aspirateur magique. C'est beaucoup plus pour les femmes qui ont les difficultés de conception. Les femmes qui cherchent les enfants depuis. Voilà, ce produit est très efficace. Je vais vous présenter également ce produit, Manpower. Oui, mais ces hommes qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle. Ce produit est également très efficace. Enfin, ce produit, Natura Prostate, pour ces parents qui ont les problèmes de prostate. Je vais revenir plus pour vous expliquer ces produits. Mais entre-temps, contactez le numéro du docteur Gadema qui s'affiche au bas de cet écran. Il est situé ici à Yaoundé, au niveau du quartier Ngousso, juste à 100 mètres du fin cimetière Ngousso. À Douala, il est situé au niveau de Bépanda, entrée lycée, immeuble en carreau blanc avant la gendarmerie. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations concernant ces produits. Très efficace, je vous le dis. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.